Bonsoir et bienvenue pour la suite de Final Fantasy XIII avec le pack de textures HD Super 4K, tout ça. Je vais pas tester. Je sais pas si on verra la diff. Mais voilà. Du coup, on a commencé hier, la sœur de Lightning et la copine de Snow, du coup, qui sont la même personne, bien évidemment, est devenue un cristal. Les autres, ils sont devenus des LC. Ils ont été tatoués. Maintenant, ils ont des pouvoirs. Maintenant, ils doivent sauver le monde. Voilà. Résumé. Oh, c'est... Oui, c'est joli. Est-ce qu'on voit la diff par rapport à hier? Aucune idée. Je ne sais pas. Alors. Voyons voir la carte. Oui, donc j'avais fait le truc à gauche. Donc, faut aller par là. C'est marrant, du coup. Recharger la sauvegarde fait respawn les monstres. C'est bon à savoir. Weird, isn't it? Of all the messed up ways to meet, I might as well make introductions. I'm Snow, Snow Villiers. Short stuff? Hope. Hope Estime. What about her? Bodum Security Regiment. She goes by Lightning. Last name's Farron. First, anybody's guess. Vanille. Ah, c'est pas son vrai prénom, Lightning. D'accord. Ah, c'est pas vrai. My kids have to get dragged into this. I'll keep the kids out of trouble. Y'a un mec avec un harmonica? You're one of them. Hey. Trying to take on the post foul sea. That was our first mistake. We should have left it to the sanctum. Hey! Why not? I mean, we've counted on the sanctum's foul sea for food, water, everything we've needed since the time we were born. But you still helped us do it. Why is that? Gotta be something. There might have been. Not so sure anymore. What? Pourquoi ce thème à l'harmonica? Aucune idée. Ça dénote vachement avec tout le reste, mais soit. Je voulais contourner, je me disais peut-être qu'il voit que devant lui. Oh, oh ça tue pas mal là, ça tue vite. Facile. Bon, toujours je sais pas ce que c'est le 5 points sous Lightning, hein. Aucune idée. De Phoenix. Don't sweat it. I'll take care of this. Petite boule encore une fois. Cinquante balles. Should we look for another way around? Pourquoi les contourner? Donc deux. On va en tuer quatre. C'est pas un petit peu de ma gueule. Bam! Bam! Voilà! Oh, on le sent, l'amélioration des compétences. On sent que quelques stats en force et en... Et tout ça, ça a fait de l'effet. Fluide étrange. Ok. Du coup, compétence, allons voir. Non, c'est pas compétence, c'est dans Crystarium. Je sais qu'il y en a, j'étais à deux doigts de pouvoir level up. Donc, Ok. Lui, j'étais vraiment
un point de l'amélioration. Ouais, j'avais plus rien. Ouais. Non, ça j'avais fait aussi. Du coup, c'était défenseur. Ok, bon, lui, j'ai fait tout ce qui était possible de faire. Salut Gourdon. Le stream du meilleur jeu de l'univers, le retour. C'est pas FF13-2 le meilleur Ah, ok. Ouais, quelqu'un qui m'avait dit ça, a priori. Dommage. Et lui. Oula, il a des plein de sérieux. Ouais, fait fuite le meilleur. Égalité. Égalité avec 13-2. Hop, hop. Non. Meilleur méchant FF13-2. Ah, mais c'est pas ton préféré par contre. Je pensais que par la même occasion, du coup, c'était ton jeu préféré, enfin ton FF préféré. Tiens, du coup, au niveau du système de combat et de la rejouabilité, je préfère le 13. Ok, du coup, tu peux peut-être m'aider, vu que tu connais très bien le jeu. C'est quoi la barre sous les trucs de Lightning là? Le truc jaune là, avec un 5, 5 points. Ça me perturbe, on me l'explique pas, c'est sur le. Sur l'interface depuis hier. Marque de mage. Alors déjà je vais regarder un petit peu. Alors ça c'était plus magie. Boomerang. Ah non, c'est un truc là, ok. Marque de mage pour elle. Le portage de 13-2 m'a un peu dégoûté, c'est expliqué plus tard. Ok, ok, ok. No problemo. Parce que des fois dans les jeux, y a des trucs mais ils sont pas expliqués, donc du coup... Putain, calme-toi sur les sauts, y a des gens qui doivent te suivre. Salut Dramo. Et du coup, ouais, comme je disais au début du stream, hein, j'ai installé le, du coup le... Le pack de textures, voilà. Super HD de ses morts, là. Le mode pour le bug des 1080p avec. En tout cas, le mode là, Super HD de ses morts, permet d'avoir le jeu en 1080 ou en 4K. Je suppose. J'ai pris les top modes de Nexus. Oula. SciComm will be here soon. If they find us, we're all dead. You think Sarah'd want that? You think you know how she feels? If I leave her, then I'll never know. We'll be fine. I can handle anything they throw at us. No one will die. I'll protect Sarah. And Cocoon. Et Cocoon. Does she look protected to you? I can save her! What can you possibly do? Whatever it takes! Oh, il a même pas un bleu ou quoi. You just can't admit it.
gonna stay as much as he does. Ah, super la garde. Hein. Survient à une chute, tu croyais quoi. Scène de stratégie. L'ennemi qui se tient devant vous dispose d'un grand nombre de PV. Pour lui infliger des dégâts supplémentaires et le vaincre rapidement, vous devez le placer en état de choc. On a déjà pas eu les explications sur... Première impression de cet opus, pour l'instant ça va, mais j'ai joué 3 heures donc... Sachant que c'est majoritairement du tuto. Alors, utiliser une stratégie offensive comme assaut furieux vous permettra de concentrer les attaques de l'équipe sur un ennemi pour le mettre rapidement en état de choc. Mais j'ai déjà eu ce tuto. Cesser d'attaquer à la jauge machin, ouais. Et oui, mais ça j'ai déjà eu. Et il me casse les couilles. Donc là j'ai appuyé sur RB comme on me l'a dit. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? État de choc, tiens, je pensais que c'était une invention de FF7 Remake. Non, le système de combat est grandement inspiré. Il y a beaucoup d'inspiration de FF13. Pas tout, mais. Ok, donc là j'ai appuyé sur RB. Le bug est toujours actif. D'accord. Du coup, trouve-moi le bon mode et. Wesh. Je me suis pris deux attaques. Et là, c'est pas comme l'autre boss où il y avait des parties à part. Bon, on va tenter de switcher après la première attaque. Plus de cristal. C'est bon, on peut se remettre en assaut furieux. Un état de choc. Pour l'instant, tout va bien. Coucou, Ista. On s'amuse sur les... Pour l'instant, ça va. Après, comme je disais à Dramo... J'ai joué 3 heures donc pour l'instant je peux pas donner un avis mais. On va changer comme ça Snow pourra être soigné. La jauge de combo doit être désormais vide pour le placer à nouveau en état de choc, repasser. Oui non mais merci. J'ai compris le jeu. Ok, c'est good. Et j'ai l'impression que j'ai pas eu de chance d'avoir deux fois l'attaque de zone. Parce que là maintenant il fait que des attaques nocives sur Snow. Ah, bon. Fermez ma gueule la prochaine fois.
Merde. C'est vrai, c'est pas comme FF12, faut appuyer sur A. Deux fois. Je pourrais repasser en à l'autre stratégie, là. Bête que je suis. Quatre étoiles ? Première fois que j'ai 4 étoiles. C'est honteux. Ah, il y a des pops. D'accord. You're leaving? We want to help Sarah too. But without tools, we could be digging for days. The army's on our trail. So for now, we gotta keep moving. For now. So I just abandoned her and saved myself? What about your focus? What happened to banding together and saving the world? Isn't that what you promised? Now you want to forget it all and die right here? Snow, you're nothing but talk. Boum! Allez! Lightning. Lightning. I'll do whatever it takes. I'll finish this focus and keep Sarah safe. That's my promise. Great job so far. Stay out of trouble. You do. Get going. But later. Okay. Couvrir Killian. Snow. Save it for next time, kiddo. You'll get left behind. But it's okay, Hope. Light will take care of you. We'll meet again. Yeah, count on it. Comment est-ce? Bah, moi et bien et tout. Et je perds déjà un membre de l'équipe. I'll get you out of there. Effectivement, il fait chaud. Count on it. Équipe modifiée. Oh non, pas Saz. Y'a pas moyen de dire que je préfère avoir l'autre là-bas là. Non, je peux pas. À lui, non. Dommage. Non, parce que le Jackson 5, c'est rigolo, mais bon, il est énervant, quoi. Maybe we shouldn't have left him on his own. So all we can do is pray he makes it. Doop-doom. Ah oui, des grenouilles. Hop, pris par surprise. Hein.
Comment ça? Alors, j'avoue que si tu retires les cheveux roses de Lightning et tu mets ceux de Cloud, bah c'est clair, bah peut-être parce que c'est basé sur le même visage, en, le même, même modèle 3D au niveau du visage. C'est marrant parce que ça, c'est le plus sérieux du groupe en dehors des combats, mais pendant les combats, c'est le rigolo du service. En dehors des combats aussi, je veux dire tout à l'heure, quand il y avait la cutscene... avec le robot, ou même hier au début du jeu. Bon. C'est sérieux. Même modèle 3D. Alors je pense pas forcément parce que je me souviens pas que Cloud avait des boobs. Mais mais yes. Mais je me dis, ça doit être trop chiant à regarder comme jeu. Déjà que moi, je comprends pas ce qui se passe à l'écran, juste je sais sur quel bouton j'appuie, donc du coup, je sais ce qui va se passer. Mais juste à regarder, ça doit être l'enfer. Surtout quand on connaît pas le jeu. Oh, il y a deux balles. Pourquoi le mec n'utilise pas son flingue, il est cassé. Parce que là, il utilisait la magie, mais il utilise aussi son flingue des fois. 240 balles. Deneb. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Vega. Vega, c'est un des... une des armes qu'il y a dans Final Fantasy XII. Et Deneb aussi, je crois, mais je suis pas sûr. Mais Vega, c'est sûr. Le connu le jeu par des let's play, il n'y a pas le rôle d'attaquant. Ouais, alors que F7 c'est bien à regarder. Bah, c'est plus clair. Ouais, c'est vrai que les combats sont plus clairs là. Bon, un peu brouillon. Vanny, tu veux faire la course ou... C'est comment là? Oh putain, on dirait des pistolets nerfs qui est là. Ouais. La caméra déjà elle est trop au niveau du sol. Elle est pas assez aérienne. C'est chaud. Vanille, elle a le nom de mon chat. Bah écoute. Moi, mon chat, il s'appelle Mordax. Et bon, c'est pas un vrai chat. Quand même. Et... voilà. La gerbe, quoi, cette caméra. Le nom de ma glace préférée. Ça marche aussi. Regardez-moi ces pistolets nerfs. C'est pas fluide. Hein. J'ai l'impression que le jeu rame un peu. Et le nom d'une prof d'anglais relou sur des... ouais? Un vrai un chat enfermé dans un appart
serait un peu triste. J'aime pas les chats. Donc. Bah, c'est pas que j'aime pas, mais. Balek. Faire les chiens. Genre, y'a rien. Y a un beau panorama, hein, mais. Et ça papote, et ça papote. Ah, une boule là-bas. Les effets qui font ramer, ouais, ouais. Un beau panorama, stopper la caméra, 2 secondes sur Lightning. J'ai pas stoppé la caméra, j'ai juste retourné pour repartir dans le sens inverse. Comme là, je fais demi-tour et j'y vais quoi. Examiner. Oula. Oula, oula. C'est pas comme ça qu'on active une mitraillette, madame. Les phases de combat sont illisibles. Ouais, ouais, c'est ce que je disais. C'est... Après, l'avantage, c'est qu'en fait, avec ce jeu, on joue pas vraiment. Juste, j'appuie sur A, et ça joue tout seul. Bon, là, encore plus qu'avant, parce que j'ai fait une attaque surprise, mais... Ça en fait des gens surpris. Et bordel, ça tombe bien. Sur ton PC, j'imagine pas. Non, non, mais moi j'ai mis des mods aussi. Et le portage est nul à chier, forcément. Ah bah, ni, elle va crever là. On va se dépêcher de. De le tuer si possible. Voilà. Ça n'a aucun sens, c'est un jeu auquel on ne joue pas. Et j'appuie sur A. J'appuie sur A, donc c'est good. Et si, et je mets des points de stats aussi. Regarde. Là, j'ai débloqué une impulsion. J'ai débloqué 15 PV. C'est quoi? J'ai pas de magie. Et là, j'ai plus de points. Ah si. Je comprends rien. Ils sont où les points restants là? Ah, ils sont là-haut. Oh, si proche du but. Enfin, peut-être que j'augmente son truc de soignant en fait. On se fait ouais, mais en fait je regardais en bas ou en PC, c'est pour ça que je comprenais pas ce qui se passait. Je vois pas à quoi ça équivaut. Hein, mais... Allez, pousse un peu là. Ça c'est good du coup. Tacticien. Oh. Ok. Un point de sauvegarde. Et combien de chapitres au total? Donc là, je suis au troisième pour avoir une petite idée. Oh, encore un behemoth. Oh, il est vénère celui-là. Les techniques, ça y est. Les techniques sont des compétences spéciales qui s'utilisent indépendamment de la jauge ATB et qui requièrent des points de technique PT. La jauge des PT
disponible est affiché en dessous de la jauge des PV. Sélectionnez technique. Acuité. Autant qu'il y avait de FF à l'époque. Ça dépend, en majeur ou avec les trucs annexes aussi. La technique acuité permet de discerner les machins, blablabla, appuyer sur RB. Ouais, bah ça je connais du coup. Ah, les PT ne sont pas entièrement restaurés après chaque combat. Ils se récupèrent peu à peu, en réussissant des enchaînements de compétences. D'accord. Du coup, il est vulnérable au feu et à l'eau. Très bien. Sauf que comme je gère pas les actions de mes alliés, à quoi ça m'avance? Pas grand chose. Chapitre, je suis déjà au 3. Comment ça? 3, et là, boum, polyvalence. Je pourrais me soigner. Enfin, me faire soigner. Annie, tu t'es soigné, parfait. Ah, il est bientôt en état de choc là. Boum, état de choc, mais il est mort. Vraiment comme FF7 Remake, hein, finalement. Vraiment, le système de choc est très proche. Hein. Dès qu'un ennemi est en état de choc, soit il a une phase différente et du coup son état de choc est reset, soit il meurt. J'adore. On se souviendra hein, des combats avec Aerys et du challenge à faire avec. Il y avait 13 cloches en cinématique, machin. Les horloges ont 13 heures aussi. Et il y a aussi un autre truc. On est au 13e jour. Dans le genre, je l'ai vu. Ah ouais, la purge a eu lieu 13e jour. Ah, t'as vu, genre, les gens nous racontent qu'il y a 13 références en nombre 13 dans ce jeu. D'accord. Sweep team, form ranks. They must be hunting down purge survivors. I hope everyone made it out okay. So do I. Nowhere is safe for him now. Damn it. Just cause they shared a neighborhood with a Fauci. They get treated like post-tainted rats. People really hate Pulse, don't they? Not hate. More like fear. Tens of millions of people. All scared of Pulse boogeymen. They'd be shaking in their beds every night if they knew that Lassie like us were around. But they purged that entire town. It's crazy, I know. But the Sanctum Fauci did nothing to stop it. Ils ont pas froid dans le. Alors c'est pas de la glace, hein. To correct their errors in judgment. Ouais, c'est tout a été cristallisé. Guess humans aren't worth the effort. Figure they'll let us just kill each other off. Lassie are not human. Listen, you! That's enough! We're still alive. That's something! What? Where is it? I don't know. There! Trop bien Star Wars.
off the area. They're trying to trap the stragglers. We gotta get moving before we're caught in the net. J'adore Star Wars. Avec Anakin et tout là. Alors. Benny, tu m'excuseras. Ah, ils ont une vision 360. Soldats ressemblent à des Stormtroopers. Ah bon? On ne comprend rien. Oh, pas deux, mais certains, oui, ok. Oh, une queue de phénix. Sympathique, ça. C'est quoi, ces trucs? Mais en tout cas, pris par surprise. Ah, c'est des drones. Choc. Choc. C'est tellement énervant de pas pouvoir jouer tous ces persos. Ça me trigger un peu, hein, je vais pas vous mentir. Les circuits numériques, très bien. Hop, je passe sur le côté. Quand même les combattre, mais au moins t'en joues un, dans le 12 on n'en joue aucun. Bah info, au moins je peux choisir les actions qu'ils font. Là je peux pas. Oula Vanille Ah bah non mais elle est morte. Oh là là, c'est les couilles. Tiens, revis. Et putain, mais qu'est-ce qu'elle prend cher? Surtout qu'elle se passe un peu comme des merdes en combat. Au placement, pour l'instant, j'ai pas encore fait gaffe. 3 étoiles, pire combat. Un peu, mais de manière indirecte. Mais non, même pas. Parce que, ok, tu mets en mode défense, on va dire. Très bien. Du coup, tu sais que ils ont un certain nombre de capacités, mais tu sais pas ce qu'ils vont lancer. Et du coup, en plus, comme quand tu changes les rôles, ça change les rôles de tout le monde. Donc, tu peux pas dire bah ok, là Vanille, je la mets en mode soin, et Snow et Lightning, je les garde en mode attaque. C'est pas ça. Et là, au début, si je passais Vanille en soin, bah Snow il passait en mode tank et Lightning elle reste en attaque. On va passer par l'en... Non. Par là-bas. Oh, des huiles. Petites huiles essentielles. Attends, les stratégies remplacent les gambits. Ouais, mais les gambits, t'avais vraiment la main sur toute l'IA de ton allié.
Les stratégies possibles, tu peux les customiser comme tu veux. Du coup, t'es quand même vachement limité. Vu le nombre de jobs total qu'il peut y avoir dans un Final Fantasy avec 6 stratégies comment dire, tu couvres pas toutes les possibilités. Bon, Vanille il va encore presque crever hein. Sans mettre polyvalence. Ah mais les bruits qu'elle fait Vanille, c'est insupportable. Lightning elle s'en bat les couilles hein, elle reste au corps à corps. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Aïe 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 aïe. Je sauvegarde. Et genre, il y avait rien d'autre là-haut. Non. Il y avait rien d'autre en bas. Non. 62 minutes et tu passes de combat contre des ninjas nazes à combattre une moto de police vivante. Comme ça, c'est Final Fantasy, ça, c'est pas. 109 stress. This whole place is crystal. I wonder what it'd be like to become a crystal, I mean. You gonna complete your focus? Maybe. If I knew what it was. Yeah, I probably don't want to know. Hey, Lightning. Did Sarah say anything to you about her focus? Nothing. Mito. You know what? She probably didn't want to worry you. Or she just didn't think she could trust me. Oh. Oh. Ouais. Et tu vois, par exemple, Groudon, dans Dragon Quest aussi, t'as des stratégies. Mais de base, tu peux choisir les actions de tes personnages. Bah, le truc de stratégie, je l'ai utilisé une fois, testé. Plus jamais de ma vie, je l'ai utilisé. Forcément, quand t'as pas le choix, tu te limites à ce qui t'est donné, mais... si j'avais le choix, ben clairement, je préférerais choisir les actions de tout même personnage. Et m'énerve lui, on dirait qu'il a des nerfs.